Alors, tu as mes sceaux? Naturellement, ça a été facile. Comment ai-je pu douter de ta grandeur? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir mené à bien cette tâche. Tu en accepterais une autre? Ça m'intéresse. Tes résultats m'impressionnent. Tu n'avais pas confiance? J'avais bon espoir, mais t'engager était risqué. Comme la plupart des choses. Je suis peut-être un peu trop joueur aux yeux de mes collègues généraux. Si on ne prend pas de risques, on ne gagne aucune guerre. Exactement. Comment se fait-il qu'un mercenaire comprenne ce que les plus grands généraux d'Athènes ignorent? Je me demande si c'est un compliment ou une insulte. Les Spartiates cherchent à localiser nos lignes de ravitaillement. Nous avons déjà capturé plusieurs de leurs espions. Ces lignes nous sont vitales. Si tu tiens à garder tes soldats en vie, effectivement. Il faut que tu exécutes d'autres chefs spartiates. S'ils sont livrés à eux-mêmes, leurs hoplites se disperseront. Tu en es sûr? Les Spartiates sont de féroces guerriers. Des guerriers, oui, mais pas des penseurs. Ils agissent comme des bêtes sauvages. Si on les place dans une situation où ils doivent réfléchir, ils sont perdus. Tue leur chef et apporte-moi leur sceau. Nous verrons ce qu'en penseront les autres généraux. Je vais te rapporter tes sceaux. Le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce que tu penses des Spartiates? Si tu poses la question au général Néon, il te dira que ce sont des brutes sans cervelle. Ce n'est qu'à moitié vrai. Ils ont une sorte de ruse innée, ce qui ne peut suffire face aux Athéniens, en supposant que mes collègues généraux agissent intelligemment au lieu de tergiverser. Tu sais que je suis d'origine Spartiate. Alors tu dépasses de loin le Spartiate moyen. Avec le temps, tu pourrais peut-être acquérir le statut d'Athénien. Summum de la réussite. Mais absolument. J'aimerais commander aussi à nos forces navales. Les Spartiates n'auraient plus qu'à bien se tenir. On t'a confié ce commandement il y a longtemps? Je suis général depuis de longues années. J'ai commis des erreurs de jeunesse, mais je les ai largement rachetées. Malgré cela, tous attribuent mes victoires à la chance, jamais à mes décisions. Et j'imagine que cela t'énerve. Que d'autres récoltent les honneurs? Oui. Des hommes prudents à l'origine de morts inutiles, parce qu'ils ont négligé des occasions précieuses. Tu sais ce qu'il arrive à un général athénien qui perd sa renommée, à qui on reproche la mort de soldats? Rien de bon. Il meurt. Alors crois-moi, je ferai tout pour préserver les vies athéniennes. Et peut-être qu'un jour, on reconnaîtra enfin mes prouesses. Pourquoi as-tu besoin de leur sceau? Si je les veux, c'est pour les montrer aux autres généraux, afin qu'ils se réveillent. Pendant qu'ils auront débattu sans fin, moi, j'aurai gagné la guerre. Je sais ce que j'ai à faire. Conseil d'Enessie, cercle, d'amis rétrécis, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi, c'est Dieu qui donne, j'ai tout mérité. Une manière de lui dire merci.